Le son est méchant, très tranquant. Et ma double prose. Pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Tu es gentil, sans méchant. Toi-même, tu comprends rien. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine le cœur noir. Ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Salut à tous et bienvenue sur Vicky K Channel. Donc là, c'était pour commencer l'année en couleur parce que vous savez, c'est ma première vidéo de cette nouvelle décennie. La nouvelle décennie qui commence l'année 20 sur 20, comme j'aime bien l'appeler. Donc c'est une année de réussite. Donc la vidéo que je vais faire portera sur le bilan qui va passer par des remerciements. Ensuite, je vais parler des résolutions, donc le bilan de l'année 2019 qui s'achève, donc la décennie qui est finie là, et cette nouvelle qui va commencer. On va parler des résolutions de cette année. J'espère nouveau, je m'appelle Vicky. Si vous me connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de notre petite communauté que j'aime beaucoup. Donc pourquoi je la fais un peu tard? Je la fais un peu tard à cause parce que j'ai eu quelques petits bouleversements dans ma vie personnelle et je voulais aussi attendre l'anniversaire de la chaîne qui est le 31 janvier. En fait, le 31 janvier, c'est le premier jour où j'ai posté ma toute première vidéo. C'est le premier jour où que j'ai commencé l'aventure YouTube. Et c'est juste magnifique ce qui s'est passé au courant de l'année. Donc, c'est une grosse année pour moi et j'aimerais la partager avec vous. Donc, avant même de commencer, je tiens à dire merci à l'Éternel, merci au Seigneur qui m'a permis d'être là parmi vous, qui m'a donné la force, la santé de vous faire du contenu de qualité que vous appréciez tous les jours. Donc, je vais dire merci parce qu'il nous a gardé en vie pour vous qui nous regardez. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas eu la même chance que nous. Et Dieu les a rappelés à lui. Donc, pour ces personnes-là, on va demander le repos de leurs âmes. Et voilà. Donc, je tiens aussi à remercier vous tous qui vous êtes abonnés, qui avez regardé chaque vidéo que j'ai postée. Vous avez commenté, vous avez liké, vous avez partagé. Donc, je vous remercie grandement parce que sans vous, cette chaîne ne serait pas si attrayante. Sans vous, peut-être que j'aurais déjà abandonné. Sans vous, je me serais dit... C'est quoi le point de faire ça? Vous êtes la raison d'être de Vicky K Channel. Et je veux aussi remercier tous ceux qui m'encouragent par leur message. Ils me disent, voilà, quand est-ce que tu vas poster la prochaine vidéo? Est-ce que tu fais bien? Continue de nous mettre du contenu. Et ils me suivent en dehors de YouTube sur mes réseaux sociaux comme par exemple Instagram. Je veux remercier tout cela parce que vous me faites comprendre que ce que je fais est utile. Ça vous sert vraiment de lumière, ça vous guide et ça me donne la force. C'est ça qui est ma force parce que c'était ça l'objectif quand je créais cette chaîne. C'était pour partager non seulement mon expérience, mais c'était pour donner des conseils et pour aviser des gens comme j'ai pu aider beaucoup jusqu'ici. Donc c'était ça la raison d'être de la chaîne et grâce à vous, vous me prouvez que ce que j'ai fait est bien et que je dois continuer. Donc, je renouvelle le contrat. Je ne vais pas. Vous êtes utile, vous m'aidez à vous aider. Vos messages me réconfortent. Vous m'envoyez constamment des messages, à chaque fois des messages d'encouragement, des messages de bénédiction. Vraiment, il y a même certains qui vont jusqu'à penser à ma famille. Ça me touche tellement. Je suis toute émue quand je parle parce que je n'en reviens pas de ce que j'ai pu accomplir jusqu'ici. Donc, je remercie ceux qui ont faim de moi parce qu'il y en a certains qui, voilà, quand je passe un peu de temps sans poster, ils vont me dire,
Ah, oh, Vicky, tu es où? Ça fait longtemps que tu n'as pas posté. Pourquoi tu postes pas? Donc, ça veut dire que je manque, que je vous manque. Et ça, c'est un grand plaisir. C'est un très grand plaisir. Vous me faites énormément du bien. Je pense principalement à Gandou Patient qui nous regarde depuis l'Afrique du Sud. Coucou Gandou, comment tu vas? Vraiment, je dis merci à tout cela. Il n'est pas le seul, même si je ne vous ai pas cité. Ça reviendra dans les prochaines vidéos. Donc, je tiens à dire merci pour ça. Vous m'encouragez, vous êtes ma force, vous êtes ma flamme. Donc, c'est juste pour vous dire, continuez de le faire. Ça me fait énormément plaisir, ça me fait chaud au cœur et ça me donne la force de ne surtout pas abandonner. Je tiens aussi à remercier ma famille, mes amis qui m'encouragent tous les jours. Il me donne des conseils. Ah, oh, Vicky, t'as fait la vidéo, il y avait telle chose qui n'était pas bien. Ça, j'apprécie les critiques constructives comme ça, j'apprécie toujours parce que mon but, c'est de m'améliorer. Rien n'est parfait. Je ne suis pas parfaite, vous non plus, je suppose. Mais vos critiques m'aident à m'améliorer et à devenir quelqu'un de meilleur et de mieux faire. Donc, tout ce que j'espère, c'est que cette année sera mieux que l'année passée en termes de tout, en termes de qualité de vidéo, en termes de qualité, bref, tout et en termes de nombre d'abonnés, bien sûr. Donc, c'était pour la partie remerciement. Maintenant, on va passer au bilan. Le bilan de 2019. L'année 2019 était une année particulièrement émotionnelle pour nous. C'est l'année où je commence. C'est l'année où je commence YouTube. Je ne sais pas. Je vais vous mettre un petit récap de ma première vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et vous la verrez souvent parce que je me souviens comment j'étais toute crispée. J'étais crispée pas parce que j'étais pas à l'aise devant la caméra, mais parce que je me demandais, est-ce que ça va donner? Est-ce que les gens vont apprécier le contenu? Donc, la crainte des critiques, la peur des critiques, c'est pour ça que j'étais crispée. Donc, vous pouvez toujours regarder cette vidéo parce que j'ai parlé des résolutions, de comment aborder une année, des conseils, c'est ce que je donnais dans cette vidéo qui est utile. Voilà, il faut se débarrasser des mauvaises personnes, des trucs comme ça et tout. Vous verrez le lien en fait, vous pouvez aller. C'est la toute première vidéo lorsque vous entrez dans la playlist, quoi. Et puis vous allez voir, il y a eu entre autres 28 vidéos postées au courant de l'année 2019. Vous avez regardé beaucoup d'entre elles, c'est particulièrement celles basées sur l'immigration qui ont attiré le plus l'attention. Et vous avez été nombreux à vous abonner parce que la chaîne compte plus de 16 000 abonnés, donc notre communauté n'est pas très petite. On a une gentille communauté qui participe. Vous êtes entraidés. Donc ça, c'est sur le bilan de la chaîne. C'est ce qui s'est passé. C'était vraiment... Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. C'est pourquoi 2019 est une année vraiment marquante pour moi. J'ai commencé l'aventure et je me suis dit, je vais partager mon expérience. Cette expérience, je suis juste époustouflée. Donc, mon expérience se basait sur le Canada en particulier, la vie en général. Et vous avez aimé ça. Je ne m'attendais pas à ça parce que je me suis dit, je n'ai même pas encore donné les un quart de ce que j'ai dans le ventre et ils aiment déjà ça. Ça me fait chaud au cœur. Je suis trop émue. C'était une trop belle année de la partager avec vous. Je suis désolée, je suis trop émue. C'était trop bien. Je ne m'attendais même pas à avoir 1 000 abonnés et puis je suis montée comme ça à 10 000. Vous me suivez, ça veut dire que je ne dis pas des bêtises, je dis quelque chose qui vous intéresse. Donc, pour jumper comme ça, avant de jumper, j'espère que vous avez fait votre bilan aussi. Bon, c'était le bilan de la chaîne de Vicky Chanel. Maintenant, le bilan personnel, peut-être je ne l'avais pas dit, mais j'ai quitté mon travail à temps plein. Pourquoi? Parce que ça... Bref, j'ai démissionné. Je me suis rendu compte que ça avait un impact très négatif sur moi. Et j'étais malheureuse. J'étais tellement malheureuse quand je travaillais parce que c'est pas ce que j'aime, c'est pas ma vie, c'est pas ce que je veux faire. Et puis un jour, un beau jour,
comme on voit souvent dans les films, je suis arrivée au boulot et puis j'ai dit, je veux plus, je peux pas. C'est trop de stress, c'est pas pour moi. Je suis pas heureuse parce que ça sert à rien de travailler et d'être malheureuse. Si on n'est pas épanoui dans son travail, c'est pas bon. Le travail n'est pas censé nous pourrir la vie. Ma vie était pourrie, j'étais tellement stressée, je me suis dit, mieux vaut être sans argent et heureuse au lieu d'avoir tout l'argent du monde et être malheureuse. Donc j'ai démissionné, juste comme ça. Et depuis que j'ai démissionné, je me suis sentie bien. C'est comme s'il y avait un poids qui était sur mes épaules. J'ai dit non, désormais je vais faire ce que j'aime. J'aime la caméra, j'aime parler aux gens, j'aime être avec des gens. C'est ce que je veux faire, je suis heureuse comme ça. Et c'est comme ça que j'ai donc décidé de démissionner. Et je l'ai fait. Donc j'ai quelques captures, j'avais fait quelques images là. Je pourrais vous le mettre cette année, vous allez un peu voir comment j'ai démissionné. Vous allez avoir ça en image. Donc voilà, pourquoi pas, je vais partager ça avec vous. Et puis, donc ça c'était pour le bilan, mon bilan personnel. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres à savoir, vous savez pratiquement tout. Maintenant, quant à la résolution, vous savez, l'année 20 sur 20, regardez vous-même les chiffres, c'est 20 et 20. Je ne sais pas si comme moi, vous avez fait l'école francophone. Parce que si vous avez fait l'école francophone, on ne note pas comme dans le système anglo-saxon, avec des lettres, des A, des B, c'est plutôt des chiffres. Donc quand vous avez 20 sur 20, vous avez cassé la baraque, vous avez battu le record. Quoi. Donc il n'y a pas plus que ça. Cette année, donc, c'est l'année 20 sur 20. C'est l'année 20 sur 20 pour tout le monde. Ce n'est pas l'année 20 sur 20 seulement pour moi, ou seulement pour vous, ou seulement pour votre voisin, ou je sais qui d'autre. C'est l'année 20 sur 20 pour tout le monde. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, quel que soit votre projet, si c'était un projet d'expatriation, un projet de mariage, un projet d'enfant, ou même vous avez prévu vous acheter la voiture de vos rêves, la maison de vos rêves, ou même lancer votre business, quel que soit le projet que vous avez pour cette année, c'est l'année 20 sur 20, vous allez le réaliser. Quel que soit le projet que j'ai pour cette année, je vais le réaliser parce que c'est une année pas comme les autres. C'est une année qu'on ne vivra pas deux fois parce que c'est l'année où on casse la baraque. C'est l'année 20 sur 20. Une nouvelle décennie qui commence, on la commencera bien dans la santé, dans la paix et dans tout ce qu'il y a de bien sur cette terre. Donc, je vous souhaite 20 sur 20 dans tous vos projets, quoi qu'il soit. Donc, ça c'était pour parler un peu de l'année 20 sur 20. Maintenant, qu'est-ce que cette année nous réserve? Quels sont nos objectifs, quelles sont les résolutions que vous avez prises dans vos vies personnelles? Faites-le, c'est très important de le faire parce que à la fin de l'année 2020, on doit pouvoir se dire, est-ce que l'année a été, est-ce qu'on a atteint nos objectifs, est-ce qu'on a respecté nos résolutions, est-ce qu'on a fait ce qu'on a dit qu'on devait faire? Donc ça, c'est à ça que vont servir la prise des objectifs maintenant, c'est pour vous attendre. Vous savez, comme un comptable, parce que j'ai une formation de comptable à la base, comme un comptable, quand l'année finit, ils font le bilan. Est-ce qu'on a fait une perte ou on a fait un bénéfice? Donc, vous devez pouvoir faire votre objectif maintenant. Donc, pour nous, quelles sont les résolutions? Donc, les résolutions de Vicky Chanel, pas les résolutions personnelles, parce que je vous les partagerai dans mes réseaux sociaux, je vous partagerai même ici sur YouTube. Donc, quelles sont les résolutions pour Vicky Chanel? Mes résolutions, c'est d'abord d'être plus présente sur les réseaux sociaux et de poster surtout beaucoup plus de vidéos. Donc, ça sert à rien de dire quelque chose que je ne vais pas faire, mais je vais m'engager à poster au moins une vidéo par semaine. Sans sauter, au moins. Mais le rêve serait posté deux. C'est pas facile, honnêtement, parce que ce n'est pas que ça que je fais. J'ai beaucoup d'autres activités à côté. C'est pour ça que je ne peux pas être posté deux, trois vidéos par semaine. C'est demandant, honnêtement. C'est demandant. Donc, je veux bien vous poster du contenu, parce que je sais qu'à chaque fois,
le contenu que je poste vous aide, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Ça arrivera, c'est sûr, mais pour l'instant, je prends la résolution devant vous de poster une vidéo par semaine. Voilà. Une autre résolution, c'est me rapprocher un peu plus de vous, d'être un peu plus, voilà, d'apprendre à vous connaître. Donc, je connais déjà beaucoup, mais je veux connaître davantage. Et si possible, rencontrer certains qui sont au Canada. J'aimerais bien, donc ça ne me dérange pas de me déplacer. Donc, si vous êtes au Canada, et qu'importe le lieu, donc dans la zone de Toronto, ce serait waouh, parce que ça ne demande pas beaucoup de temps de conduite. Donc, voilà, j'aimerais bien vous rencontrer, apprendre à vous connaître davantage. Et la dernière résolution, c'est faire plein de cadeaux, comme j'avais annoncé dans une de mes vidéos. J'espère que vous avez vu celle-là, et de faire davantage de cadeaux, partager avec vous. Voilà, ça, c'est les résolutions que Vicky Channel a pour cette année 2020. Et surtout, 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 avoir plus d'abonnés. L'année passée, 2019, nous avons fait plus de 16 000 abonnés. Donc, j'espère que pour cette année, on fera plus d'abonnés, parce que je m'engage à poster davantage de vidéos avec du contenu vraiment utile. Donc, ce sera du contenu sur le Canada. Donc, sur le Canada, sur l'immigration canadienne, l'expérience au Canada, des coins à visiter au Canada, des histoires des personnes qui ont réussi ici au Canada. Il y aura vraiment beaucoup de contenu. Ça n'empêche, des conseils, entre autres, par exemple, sur sur conseil beauté, conseil tout. Bref, il y aura un peu de tout, quoi, parce que souvenez-vous, ça, c'est une plateforme pour s'entraider, pour partager ses connaissances, pas simplement les connaissances sur l'immigration canadienne, parce que vous voulez venir au Canada. Il n'y a pas qu'au Canada qu'on réussit, on réussit partout, il y a la vie partout. Il y a des personnes qui ne mettraient pas les pieds ici parce que voilà, ils n'aiment pas la neige, ils trouvent qu'il fait trop froid, ou parce qu'ils s'en sortent là où ils sont. Donc ils sont pas, c'est pas comme si voilà, il faut seulement venir ici pour l'immigration canadienne. Il y aura vraiment de tout. Et si vous avez des sujets de vidéo, comme certains me l'ont proposé déjà, je suis preneuse, je ne refuse pas. Donc je prends, et dès que j'ai le temps, je fais une vidéo. Mais cette année, je promets, même si c'est pour faire un coucou, je vais faire un coucou. J'espère que je ne vais pas passer d'avoir de mauvais temps ou de moments, j'ai besoin de couper un peu le cordon. Donc on prie simplement pour que ça n'arrive pas. Et aussi, vous devez m'encourager en regardant les vidéos, en likant, et surtout, 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 en partageant les vidéos, parce qu'il y a plein de surprises, Dieu voulant. Donc, ça, c'était la vidéo bilan résolution de l'année 2020. J'espère que le début vous a plu, avec un peu la musique, qui sera élevée. Vous serez tous élevés, vous tous qui me regardez. Soyez élevés, soyez bénis, vous serez élevés, parce que ça, c'est l'année 20 sur 20. C'est l'année de notre année, c'est l'année où on va cartonner. Donc, pour finir, comme je l'ai dit, comme je l'ai promis, n'oubliez pas de ne manquez pas la prochaine vidéo qui portera sur le New Brunswick qui est en train de recruter dans le monde actuellement, en Europe, en Afrique et je crois aussi en Asie. Donc dans la prochaine vidéo, on parlera de ça avec les dates où ils vont et les adresses peut-être où se tiendra les recrutements. Donc sur ce, je vous dis, je vous aime très fort, ça me fait un plaisir de vous parler, je vous adore, et puis c'était Vicky qui est depuis Toronto, et on se revoit dans la prochaine vidéo, bisous, 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 bye. Tu as la grâce de Dieu sur toi, élevé, élevé, tu seras élevé, oh, quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro, élevé.